Bah tu ne pourrais pas arrêter de fabriquer tous ces jouets stupides et inventer quelque chose de vraiment utile. Un Bauer ne perd pas son temps avec des choses aussi futiles. Mais papa, les rayons gamma. Des rayons gamma, décidément, la lecture des bandes dessinées te ramollit le cerveau. À ton âge, j'étais déjà en train de découvrir l'ARPANET. Bon, les rayons gamma, hein, ça fait référence à Hulk pour ceux qui ne le sauraient pas. Mais ne sois pas si dur avec lui, Joshua. Il faut laisser cet enfant explorer de nouveaux domaines. Il n'y a pas que la robotique dans la vie. ARPANET, oh, ce serait pas une référence à Terminator, ça? Il pourrait même s'intéresser à la biologie. Heather, ne commence pas. Matt doit se concentrer sur la robotique. C'est ça l'avenir. Parce que c'était Skynet, voilà, ceux qui sont à l'origine des Terminators. Ne t'inquiète pas, maman. Un jour, j'inventerai quelque chose dont vous serez fiers tous les deux. J'en suis sûr. Va prendre l'air et amuse-toi un peu. Il fait un temps magnifique. Tu es trop faible avec lui, Heather. Il n'arrivera jamais à rien. Oh, il est pas gentil, papa. Un gamin qui arrive à... Ah zut, qu'est-ce que je cherche, moi, le menu? Non. Il est où le menu? Bah zut alors. Bon, c'est pas grave. Je voulais voir un petit peu... Connaissant Matt, il doit y avoir ici des trucs capables de faire exploser le quartier d'au moins 6 façons différentes. Il vaut mieux ne rien toucher sans son accord. Et si c'est... Si c'est lui qui fait... C'est là que je stocke mes composants chimiques. À des températures au-dessous de zéro. Personne ne doit l'ouvrir sans mon autorisation. Ah, c'est pas mal, on a une double lecture du coup avec ce... Hop, observer. Et si on fait ça, pareil, il réagit pas plus que ça, très bien. Pas maintenant, je suis en train de procéder à des essais. Et si c'est son fils? Je n'ai pas le temps pour des gamineries, Matt. Tu ferais mieux d'étudier la physique quantique plutôt que de perdre ton temps avec tes petits camarades. Tu devrais aller jouer dehors. Mon mari est un peu stressé aujourd'hui. Enfin, il est toujours stressé. Ne fais pas attention à ce que dit ton père, Matthew. Il voudrait que tu étudies tout le temps, mais je sais que tu iras loin, mon fils. Merci, maman. Un jour, vous serez fiers de moi tous les deux. Blablabla, hop ici. On n'a rien de spécial. Ah, là-haut. L'arbre généalogique de Matt. Apparemment, dans sa famille, il n'y a que des savants myopes. Chez les Bauer, tout le monde compte sur toi. Sur moi pour faire honneur à la famille. Le prix Albert Einstein. On peut ouvrir ou pas? Non. Je pensais pouvoir passer par là. Ah, attendez. Ça. C'est quoi cette machine? Un Spectrum peu. J'ai adapté le système d'exploitation de ce Macintop pour que j'y ajoute la reconnaissance de voix et d'empreinte. Là, je travaille sur mon Alfred. Personnel, afin... Enfin, ce sera une fille. Je crois que je l'appellerai Miri. L'IA, c'est l'avenir. Alors là, pareil, ça doit faire référence à quelque chose, mais je vois pas. Bon. Ensuite, il reste quoi? Ici, je pense qu'on a fait le tour. Alors, on continue. On va aller par là pour l'instant. On va finir, comment dire, d'observer le quartier. Là, plus rien, d'accord, la zone est bloquée. Donc pour l'instant, on peut pas y aller à droite. Tu ne peux pas passer par ici, la rue est en travaux. C'est dingue, la foudre tombe à plusieurs fois exactement ici. Mais, désolé, tu vas devoir prendre de l'autre côté. Si tu veux aller au centre-ville, tu peux prendre le raccourci à l'ouest. Donc le fameux raccourci que maman ne voulait pas qu'on prenne. Parce qu'on va tomber sûrement sur le fumeur de pétards de drogue. Alors, reparler. Bonjour, tu viens me donner un coup de main? Monsieur Wilson. Ah, il est en train de bricoler, j'avais pas vu les pieds qui dépassaient. Bonjour, monsieur Wilson. Non, je passais juste... Ah, les gosses aujourd'hui, toujours à traîner dans la rue. Enfin, au moins tu prends le soleil. Je suis sûr que d'ici quelques années, les enfants passeront tout leur temps sur leurs jeux vidéo, machin chose. À mon époque, on était moins paresseux. À ton âge, j'étais déjà un adulte, tu sais. Je travaillais déjà pour... je ferais mieux de partir, sinon j'en ai pour la journée. Donc, il se peut que je me le prenne. Quand j'ai lu le test, hein, j'étais un petit peu... Un petit peu réticent, j'étais pas plus emballé que ça.
C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir la démo, hein. Attention, danger. C'est quand même un raccourci, la fin justifie les moyens. Est-ce ils disent la même chose ou pas tous les deux? Ouais. Ok, alors ici, pour sauter, voilà. Hop. Parfait. Là. Alors, Chris peut escalader certaines surfaces. Appuie sur rond. Hein, pour et qui peut être gravi, appuie sur pour sauter. D'accord. Bon. Est-ce qu'on peut faire ça par exemple et ça? Non. Par contre, si je saute du bas. Donc, si je peux pas faire ça. Ah, si, 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 c'est bon. Je peux. Voilà, ce que je voulais savoir, c'était est-ce que je pouvais sauter de cette plateforme-là et m'agripper pendant le saut? Et il semblerait que oui. Très bien. Observez. Chris peut sauter d'une surface d'escalade à une autre en. Ah bah voilà. La question. J'avais cherché avant qu'on m'indique le truc. Alors. Hop. Voilà. Et si je lâche, est-ce qu'il tombe? Non. Hop là. J'ai pas appuyé au bon moment. Voilà. Ouais, finalement j'ai appuyé 2-3 fois de suite. Sur observer, il faut sauter très loin, c'est pas un problème. Ah là là. D'accord, on va pouvoir planer avec les chaussures de maths. Je vais d'abord faire un petit tour par là, rien. Ok. Oh là! Quelle nouille! Voilà. On attend qu'il récupère son endurance. En plus, il y a une espèce de poisson, de bestiole là, que j'ai vu dans le. Hop. Ah non, ça a l'air d'être que des poissons. Oula. Juste, juste, juste. Ah bah, ce serait bien notre Big Nit, ça. Enfin, notre Big Nit. Notre hippie. Pardon. L'ermite. Il fait beau aujourd'hui, hein. Rien ne peut me gâcher cette journée. Et si c'est lui qui parle, ça rien, change rien, d'accord. Ah, le menu est là. Voilà, je voulais savoir. Non. Ah, il y a pas mal à lire quand même, hein, sur les. Ah, on a loupé deux persos là. Ok. Donc John. Ah, John Williams. John Williams, j'ai même pas percuté. John Williams, c'est le compositeur des musiques de Star Wars. Nicole Williams, d'accord. Joshua Bauer, là, il doit y avoir quelque chose aussi. Bauer, parce que Bauer, c'était une série 24 heures là, mais. C'était Jack Bauer, je crois. Ok, allez. Est-ce qu'on peut ouvrir? Rien d'intéressant. Est-ce qu'on peut les désinguer comme ça? Ouais. Est-ce que ça sert à quelque chose? J'en sais rien, mais. Bon. Juste à faire le délinquant. Oh, tiens. Il y a un accès ici? Non, on peut pas pour l'instant. Hein. Ok. Hop, on saute là, on saute là. Ils sont où les copains? Est-ce qu'ils seraient dans le coin? Ah. Observez. En appuyant sur gâte, tu peux tirer. Ok. Donc il faut. Ok. Que ça sert à quelque chose, j'en ai aucune idée, mais je le fais. Allez, observez. Donc avec un radar automatique, mate un radar automatique. Appuie sur L une fois sur L2 pour l'activer. Lorsqu'il est actif, il t'indiquera automatiquement l'objectif le plus proche pour le désactiver. Ok. Alors, hop, L2. D'accord. Ah, ça fait un tir automatique, c'est pas mal ça. Est-ce qu'il y a une icône quelque chose? D'accord, non. C'est le cercle là qui détermine qu'on est en radar automatique. Ok. Hop. Oh là, je pense que. Le mieux c'est peut-être quand même.
Voilà, c'était peut-être de se les faire plutôt à la batte de baseball, effectivement. Dis donc, ouais, c'est chaud hein, pour arriver au. Ah, puis ils ont une gestion de leur vie qui est indépendante, t'as vu? Hop, j'ai quasiment les trois, enfin tous mes cœurs là à Chris et j'en ai déjà perdu plus d'un pour Matt. Ok, ça c'est bien aussi. Alors, hop. Ah, d'accord, si, regardez, hop. Moi j'ai pas fait exprès, hein. C'est le hasard. On récupère des cœurs, nickel. Voilà à quoi servent les. Les caisses, d'accord. Parfait. C'est vrai que la musique, on l'a, elle est sympa, hein. J'espère qu'elle prendra pas trop de, elle sera pas trop forte sur la vidéo. Mais elle passe bien, hein, en fond. Hein. On est vraiment dans des musiques du style des E.T. et genre de choses de l'époque. Hein. Waouh, l'orage a vraiment fait des dégâts. Même la police travaille aujourd'hui. Évidemment, c'était un orage hors du commun, Chris. Comment tu crois que j'ai chargé mon canon à rayon gamma? Avec tout ça, tu aurais pu te fabriquer ton propre Frankenstein. Bon, allons chercher Big Joe. Il doit être chez lui, dans le quartier nord, de l'autre côté de la place centrale. Ok, donc là on est loin d'avoir fini hein, cette démo, enfin, je pense. Hein. Le secteur a l'air vaste quand même. Ah oui, d'accord, il y a tout ça maintenant. Alors, on va parler. Apparemment, la foudre a frappé le restaurant, il y a l'électricité dans l'air. Ok, je crève de faim et on peut même pas s'acheter un burger. Bah, t'as qu'à faire ta bouffe toi-même. Hein. Ah, tu me dégoûtes, Jennifer. Comment tu peux penser à manger un burger avec tout ce qui se passe? Une gaufre à la rigueur. Ah, tu sais qu'est-ce qui me dégoûte, moi? Ashley, elle est sortie avec Johnny. Il y a vraiment pas de justice. Tu bouffes plus qu'un quarterback, alors il faut pas t'étonner que si les garçons s'intéressent pas à toi. Long John Dinner. Est-ce que l'agent de police, si tu entres, fais attention petit. On ne sait toujours pas à quel point le restaurant a souffert de l'orage. D'accord. Le restaurant n'a pas eu de chance. C'est vrai, oui, j'ai remarqué. Moi aussi. Et la foudre est tombée à quelle heure? Hop. Attends dans le resto. Dis-moi mon garçon, je ne peux pas ouvrir le restaurant tant que je n'ai pas nettoyé tout ce bazar. Tu peux me donner un coup de main? Pourquoi pas? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que je dois faire, John? Il vaut mieux que tu vois ça avec par toi-même. C'est quoi? C'est du mini-jeu? Alors, hop. Voilà, saloperie. Effectivement, c'est le bordel son resto. Parfait. Merci les gars, vous avez résolu le problème tout seul, sans que ça me coûte un sou. Comment ça? On mérite une récompense, les rats étaient énormes. Ça fait combien de temps qu'ils vivaient ici? Ouais, parce qu'ils ont pas pu apparaître juste cette nuit. Ils doivent habiter dans cette réserve depuis longtemps, ils sont plus gros que le chat de ma voisine. Chuchut, criez le temps que vous y êtes, petit morveux. D'accord, prenez ça et sortez d'ici. Mais surtout, ne parlez à personne de ce que vous y avez vu. Si vous voulez encore avoir le droit de goûter à mes délicieux long burgers. Ok, merci. Mais je suis pas sûr qu'on viendra à Burke. Blabla, allez, oust, les burgers ne vont pas se servir tout seuls. Alors, du coup, le monde est revenu. Hop, et donc nous on a récupéré quoi, une sucette? Ah, ça doit être pour. Oui, d'accord, ça doit nous refiler des cœurs. Bon, pour l'instant, on n'a pas spécialement besoin. Hop, regarde-moi tous ces clients, ils attendent, qui attendent. Le vieux John nous bassine avec son long burger, mais ça vaudra jamais un Pruna Burger. Ça c'est sûr, mes parents nous y ont emmenés une fois, mon frère et moi, et je n'ai jamais autant mangé de ma vie. Il dit quoi lui? Rien. Alors, parlez. Excusez-moi monsieur, vous pouvez arrêter de vous balancer sur votre siège comme ça, vous allez finir par tomber. Faut pas vous stresser comme ça, je sais ce que je fais. Mais si vous cassez, le patron reviendra sur ça sur mon salaire. Pas de panique, ça se répare. Mais monsieur,
Je vais prendre une enchilada. Alors ça me dit quelque chose ça aussi, mais j'arrive pas à avoir la référence. 2 pour le prix de 3. Tu payes 3 repas et on t'en sert que 2. Tu parles d'une promo. Long John est vraiment prêt à tout pour se faire du fric. Il faut payer pour changer de la musique. Bon, là c'est ok, il n'y a rien. Hop là. Allez, ah. Ça ferait à peu près. Alors, ça ferait à peu près propre si les couverts n'étaient pas pleins de traces de gras et les portes serviettes couvertes de ketchup. Est-ce qu'on peut parler? Ah oui. Je n'ai jamais vu autant de fautes d'orthographe de toute ma vie. Qui a rédigé ce menu? C'est le patron qui s'occupe du menu, mais il écrit comment il parle. D'accord, je vois. J'espère qu'il cuisine mieux qu'il écrit. Vous pouvez toujours espérer. Allez. Hop, on sort d'ici. Tu sais quoi, j'en ai marre d'attendre Ashley. On n'a qu'à aller manger sans elle. Je crois que le vieux John s'est encore attiré les foudres du service d'hygiène. Ok. Ensuite, lui dit quoi? Nous sommes là pour estimer les gars, blablabla. Bah, c'est la même chose que tout à l'heure. C'est la cata. Une araignée, où ça? Ouais. Kevin est passé à toute allure sur son vélo BMX ce matin. Il allait vers le nord. Je sais pas pourquoi il était aussi pressé. Il est quoi? Ouais, il nous reste une dizaine de minutes. Allez, je vais faire ce petit bout là et après on se quittera. Bonjour, on se connaît? Peut-être, j'adore les jeux vidéo. Et si tu veux entrer, fais la queue comme tout le monde. Quelqu'un devra aller aider Wyatt, sinon on pourra jamais jouer aujourd'hui. D'accord, donc encore un mini-jeu. Wyatt peut pas nous laisser entrer tant que l'électricité n'est pas revenue. D'accord, allons voir. Ah, une salle d'arcade. Est-ce que le mini-jeu va être un jeu vidéo justement? Ça serait fun. Parlez. Pas maintenant les gosses, j'essaie de réparer la panne. J'ai plus d'électricité depuis l'orage et il faut que je trouve la panne. Si je veux ouvrir ma salle de jeu d'arcade, Invaders, aujourd'hui. D'accord, aider. On peut vous aider si vous voulez. Non, je vais me débrouiller, c'est pas compliqué. J'ai qu'à retirer le fil bleu et le fil rouge, puis je branche la dérivation sur le compteur. Ça ne risque pas de provoquer un court-circuit. Vous êtes sûr de savoir ce que vous faites? Bien sûr, enfin presque. Mais si vous voulez vraiment m'aider, pas que je demande de l'aide, hein, mais si ça vous fait plaisir, allez dans la pièce du compteur, voir s'il y a quelque chose qui cloche. J'ai pas dit que je trouverais pas tout seul. C'est juste que j'ai pas le temps d'y aller. Ouais, juste pas le temps. Tous au travail. D'accord, ok. Je vais aller voir dans la pièce du compteur. Alors, la pièce du compteur. Qu'est-ce qu'on a là? On a un Pac-Man, on a un rallye, d'accord. J'ai bike. Je sais bien ce qu'on a en plus. On a les. On reconnaît quand même les couleurs les utilisées pour ces jeux-là à l'époque. Alors, la pièce du compteur doit être par là-bas, d'accord. Distributeur d'une boisson gazeuse, mais laquelle? Qu'est-ce que ça peut être? Règle 1, c'est Wyatt qui commande, sérieux. Je peux pas passer derrière, non? Est-ce qu'on peut observer? Rien du tout. Très bien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouvrir. Window Breaker Boy, tu as reçu un nouveau jeu vidéo. Consulte les collections dans ton inventaire pour plus de détails. Ok. Alors, est-ce qu'on... Ah, il faut peut-être tirer avec le... Du coup, avec le... Non, ça va pas être assez, je pense pas, si. Ah, peut-être, alors, il faut qu'on... Allez, jusqu'au bout, là. C'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. D'accord. Donc, c'est bon, tout est reparti. Voilà, nickel. Bon, ça va, c'était simple.
Ça devrait fonctionner maintenant. Il fallait juste créer une surtension. Allons voir si tout marche. Ah, excellent, on retrouve l'ambiance d'une salle d'arcade avec tous les bilibilip. Hey Wyatt, je crois qu'on a réussi à réparer. Qui ça on? Non mais vous rigolez, j'ai réussi. Avec Wyatt, pas de problème, que des solutions. Mais c'est nous qui avons remis le compteur en marche. Je suis un génie de bricolage, non, c'est vrai. D'ailleurs, ma mère disait toujours, Wyatt, tu es un génie. Ouais, si seulement elle m'avait empêché d'abandonner mes études. Tu es sûr ou quoi? C'est nous qui avons tout réparé, Wyatt. Je suis le roi d'électronique, un jour je serai l'empereur de l'informatique. Ouais, et je suis modeste. Ça ne sert à rien, il délire, il doit être défoncé. On n'a qu'à servir dans le poids pour boire, on l'a bien mérité. Eh là, n'y pensez même pas. Je suis un commerçant compréhensif, mais ne m'obligez pas à me fâcher. A plus, Wyatt. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Observer. J'ai entendu dire que c'était la boisson d'un célèbre pirate. Mais qu'un marin plus malin a eu l'idée de la mettre en bouteille et de la vendre dans le monde entier. Rien que d'en parler, ça me donne soif. Ce jeu est super dur. À quoi je vais jouer maintenant? God will be watching. Peut-être le jeu d'arcade le plus dur de la série Invaders. Wyatt a dû se faire une montagne d'argent avec ce jeu. Pas assez. Bowser Russia Blitz est le seul jeu interdit aux moins de 25 ans. Tu cherches pas à passer devant, j'espère. Bah non. Non plus. C'est dommage, j'aurais pas été contre une petite partie de quelque chose d'un jeu là. Juste comme ça pour le fun, mais non. Sors de là ou je appelle mes gars. Ou alors bon les. Tu cherches à me. Pas passer juste devant, j'espère. Non. Ce jeu est génial, ok. Alors bon, les programmeurs se sont dit qu'on aurait espéré ça justement, on s'attendait à ce genre de truc et du coup ils l'ont pas fait. Si quelqu'un sait tout ce qui se passe en ville, c'est bien garé. On dit qu'il a des espions. Je crois surtout qu'il est dingue. Lui, je sais plus si on lui a parlé. Ah oui, c'est vrai. Ok, bah écoutez, vous savez quoi? On va finir. Tiens, allez, on leur parle vite fait. Et je lui ai dit que c'était pas possible parce que si j'ai. Pas été cet après-midi là. Chut, je crois que j'ai une touche, ne me dérange pas. Il n'est question que de l'orage de la nuit dernière. Distributeur de journaux. Ok. Bon bah écoutez, on sauvegarde. Et j'espère que cette petite découverte vous a plu. Moi en tout cas je suis assez positif sur le ressenti que j'ai sur ce jeu. Malgré les graphismes dont je suis pas toujours très fan de genre de graphisme, mais bon, j'aime bien. J'aime bien le travail qui a été fait en amont, hein, toutes les références. On sent quand même que les gars, ils ont fait le taf, quoi. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Salut, bye bye.